Bon, alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode des conférences autour de l'exposition We Choose to Go to the Moon. Alors, juste pour rappel, donc, We Choose to Go to the Moon, c'est une exposition préparée par la bibliothèque en collaboration avec Space Attitude Service. Donc aujourd'hui, pour cette troisième Space Attitude Service conférence, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Kevin et puis le professeur Pascal Chablonka. Bienvenue au nom de la bibliothèque, et puis je vais vous passer immédiatement le micro alors. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la conférence sera portée sur les trous noirs par Pascal Chablonka, qui est une astrophysicienne franco-suisse qui a fait ses études, son doctorat à l'Université Paris 7 Diderot, si je suis correct, et qui a fait son post-doctorat à l'Observatoire Austral-Européen. Elle est actuellement professeure d'astrophysique en tant que professeure titulaire au laboratoire d'astrophysique de l'EPFL, ainsi que directrice au Centre National de Recherche Scientifique. Et ses travaux portent majoritairement sur l'évolution et le développement des galaxies, sur la création des amas de galaxies, ainsi que sur les premières étoiles de notre univers. Donc je vous demande d'applaudir Madame Pascal Chablonka. Merci de votre invitation. Je dois dire qu'elle est certainement surprenante. Pourquoi parler des trous noirs alors que le thème principal, c'est la Lune? J'ai cherché une explication. Je ne vous la livrerai qu'à la fin de cet exposé, bien entendu, pour garder tout le suspense. Comme il a été dit, ma spécialité, c'est la formation et l'évolution des galaxies, dans lesquelles il y a des trous noirs, mais je n'étudie pas principalement ces trous noirs. Donc je veux partager avec vous la même fascination et l'étonnement que l'on peut avoir en regardant ces trous noirs et surtout l'extraordinaire physique qu'il y a sous-jacente à ces trous noirs. J'espère que ce sera compréhensible. Les trous noirs font partie des notions usuelles en astrophysique de nos jours, de la même sorte que les étoiles ou les galaxies. D'ailleurs, les plus petits trous noirs que l'on connaisse sont des trous noirs qui arrivent à la fin de l'évolution des étoiles. Ce sont les plus petits trous noirs, c'est-à-dire les trous noirs les moins massifs, qui terminent la vie des étoiles massives. On trouve des trous noirs plus massifs au centre des galaxies. La théorie des trous noirs, c'est-à-dire comment comprendre la formation et la présence des trous noirs, repose sur la théorie de la relativité générale. Cette théorie, elle est tout à fait établie, elle a été vérifiée depuis très longtemps, des siècles, mais ce qui amène cet exposé aujourd'hui, c'est évidemment que la dernière vérification de cette théorie a été montrée par l'imagerie de l'image de l'ombre d'un trou noir. Et ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est l'ombre et qu'est-ce qu'on attend d'un trou noir, quelle image on attend d'un trou noir, puisqu'un trou noir, par définition, normalement, on ne le voit pas, puisqu'il absorbe la lumière. La première notion de la relativité générale, c'est la notion d'espace-temps. Alors, si on pense à l'univers local, c'est-à-dire la manière dont on se déplace dans l'espace, on a besoin de trois dimensions du point de vue de l'espace. On a besoin des dimensions qui s'expriment en x, y, z quand on fait des mathématiques, mais sinon on peut voir trois dimensions comme je vais en avant, je vais en arrière, je vais à gauche, ça fait une dimension, un axe, je vais à gauche, je me déplace à droite, ça fait une deuxième dimension, je suis vers le haut, je suis vers le bas, ça fait la troisième dimension, et je suis situé dans l'espace, c'est trois dimensions. Il y a une autre quantité que l'on utilise usuellement, c'est celle du temps. Et ce temps, c'est un axe, donc une dimension, c'est le passé ou le futur. Ce qu'on appelle espace-temps, c'est qu'on va mélanger les deux. Dans l'espace, et on commence par l'espace, dans l'espace, une particule, elle est représentée par un point. Ici, je vais regarder la collision de deux particules. J'ai un espace que je schématise non plus en trois dimensions, mais simplement comme un plan. Donc j'enlève une dimension, je ne m'intéresse pas de savoir si elle est en haut ou en bas, je regarde simplement si c'est à gauche ou à droite, en avant ou en arrière. J'ai deux particules, une particule dans un espace traditionnel est à un moment donné représentée par un point. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en compte le temps. Donc au moment initial, j'ai deux particules qui sont
qui s'avancent l'une vers l'autre avec une certaine vitesse, elles n'ont pas besoin d'être les mêmes. À un instant suivant, ces particules sont davantage proches, elles collisionnent, comme parfois font les galaxies ou les autos dans la circulation routière, et puis ensuite elles repartent chacune de leur côté, et vous voyez qu'on peut décrire ça comme une séquence temporelle. Cette séquence temporelle, si je la fais non plus par instant vraiment décomposé, mais que je vais de microseconde en microseconde, eh bien ça crée des droites, ce sont des chemins linéaires, avec une pente, donc ici vous avez l'axe du temps, et là vous avez l'axe X, l'axe Y, donc je me contente d'une surface pour la représentation, mais après j'ai l'axe du temps, et donc dans cette représentation, le mouvement des particules sont des droites, et la pente de ces droites correspond à la vitesse des particules. C'est-à-dire que c'est bien le rapport entre une quantité qui est spatiale et le temps, ça fait une vitesse. Cette pente ici et cette pente-là sont les vitesses de la première particule avant le choc et après le choc, et la deuxième particule qui n'a pas besoin d'avoir la même vitesse, elle a une pente légèrement différente, et ensuite une pente légèrement différente. Donc l'espace-temps, la représentation de l'univers, maintenant, elle peut se faire dans ces conditions. On prend les géodésiques dans lesquels l'espace et le temps sont toujours considérés dans le même temps. Une quantité ou une notion qui est très importante, c'est le cône de lumière. Donc en physique, il n'est pas possible d'aller plus vite que la lumière. Par conséquent, si de nouveau je décompose un mouvement, mais cette fois je m'intéresse à la propagation de la lumière, je pars d'un point qui attend T1. À un temps T2, les rayons lumineux se sont propagés à la vitesse de la lumière, le cercle est agrandi, et puis encore davantage si j'attends jusqu'à un temps T3 supérieur. Par conséquent, dans l'espace-temps, c'est-à-dire dans cette représentation graphique, j'ai un cône qui est le cône de lumière qui représente en fait l'espace dans l'espace-temps maximum que je peux parcourir. Je peux avoir toutes les vitesses qui sont inférieures à la vitesse de la lumière, je peux être à l'intérieur de ce cône, mais je ne peux pas sortir du cône, n'est-ce pas ? Puisque je ne peux pas avoir une pente supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Est-ce qu'on peut avoir un espace absolu quand on considère l'espace-temps ? Eh bien, considérons un exemple, ou simplement que l'on connaît bien, on est sur Terre et on reçoit la lumière du Soleil, et pour ce faire, la lumière de la Soleil, elle met 8 minutes à nous parvenir. Cette lumière, elle arrive à la vitesse de la lumière, par définition, et par conséquent, on a un cône. Ce cône de lumière. Par conséquent, il n'y a pas un espace absolu. Le seul espace que l'on puisse parcourir, l'espace auquel on a accès, c'est en fait l'espace qui est contenu dans le cône de lumière. Il n'y a pas d'espace absolu en relativité. Si on fait maintenant, même en regardant une physique qui serait une physique classique, c'est-à-dire une physique newtonienne, le temps, lui, est absolu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis en train de suivre un chemin A ou un chemin B, les pendules sont toutes les mêmes. Le temps s'écoule de la même manière sur ce chemin B que sur ce chemin A. Et si je regarde B depuis A, j'aurai également les mêmes temps. Il n'y a pas de différence, le temps est absolu. En revanche, en relativité, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la relativité ? Ça peut être la relativité qu'on appelle restreinte quand on considère des mouvements de translation, ou des relativités, la relativité générale quand on prend en compte la gravitation. Il n'y a plus de temps absolu. Chaque observateur mesure son temps propre. C'est-à-dire que si je prends une horloge et que je mesure le temps écoulé entre deux événements et que je suis sur le cheminement A, je vais te mesurer un certain temps. Je vais mesurer un autre temps
en B, certes, surtout lorsque je le regarde depuis A. Et en fait, il y a dilatation apparente du temps, c'est-à-dire que si je regarde depuis A ce qui s'est passé en B, le temps entre deux événements, deux mêmes événements, vous voyez, on prend à même moment par rapport à A, mesure du temps, eh bien, en fait, le temps écoulé entre ces deux parties ici par rapport à A va paraître plus long. Et cette longueur dépend de la constante de gravitation et dépend de la masse qui courbe l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle la dilatation apparente du temps. Dans la gravitation, donc j'ai parlé de la relativité restreinte qui dit simplement, qui regarde comment les quantités se comparent lorsque des référentiels sont, c'est-à-dire des mouvements, des gens qui bougent différemment en mouvement de translation. La force de la relativité générale, c'est que cette fois, on inclut également l'effet de la gravitation. La gravitation, elle n'est plus considérée comme une force qui agirait entre deux masses qui s'attireraient, c'est vraiment un constituant de l'espace-temps. Et cet espace-temps, vous pouvez imaginer que cet espace-temps, il ressemble à un bas dans lequel chaque force va plus ou moins incurver l'espace-temps autour de lui. Et donc les rayons lumineux vont suivre des géodésiques, c'est-à-dire des chemins dans cet espace-temps, qui seront d'autant plus pentus que la masse à l'intérieur d'un certain rayon sera importante. Vous voyez ici, la Terre est plus massive que la Lune. Donc, au centre, près de la Terre, l'espace-temps est incurvé. Donc, la relativité générale, elle raconte, elle inclut la gravité dans la géométrie de l'espace-temps. Elle ne fait pas que considérer l'attraction des corps, comme on le fait en physique newtonienne, comme vous savez qu'on dit que la force est proportionnelle à la masse de l'objet considéré. Ici, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque. Ce qui veut dire que si votre espace-temps est courbe, eh bien, vos cônes de lumière, eux, ne vont plus être verticaux, comme ils l'étaient dans une description classique ou dans une description de relativité restreinte. Ils sont tordus, ils prennent les chemins des géodésiques, c'est-à-dire des chemins parcourus dans l'espace-temps, qui simplement, je prends en compte l'axe des temps et l'espace, et voyez qu'ils prennent différents angles, et c'est ces angles qui importent, pourquoi je parle de ça, parce que c'est ces angles et ces variations d'angles qui vont jouer un rôle primordial dans le fait qu'à un moment donné, la lumière ne sort plus des trous noirs. Alors, il y a il y a encore un effet qu'il faut prendre en compte, c'est que cette courbure, donc les rayons lumineux sont courbés au voisinage de corps massifs. Du coup, si je suis un observateur ici, j'ai un corps massif, quel qu'il soit, ça peut être une étoile, ça peut être une galaxie, ça peut être un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un ensemble de centaines, de milliers de galaxies. Et j'ai encore ici un soleil, peu importe ce que c'est comme objet astrophysique universel. À l'approche de ce corps massif ici, son rayon va être dévié. Du coup, l'impression que j'ai, c'est-à-dire ce que je vois apparemment, n'est pas la position de l'objet en droite ligne, comme je devrais le voir, comme c'est le cas, mais j'ai l'impression que mon objet se trouve à une autre position. C'est ce qu'on appelle la déviation gravitationnelle. Il y a plusieurs effets dans cette déviation gravitationnelle. Il y a le fait que vous ne voyez pas l'objet à l'endroit où il se trouve, mais également, mais je n'entre pas dans le détail, je vous raconte juste ça parce que ça va être important ensuite,
Le fait, ici vous avez par exemple l'image, c'est la même chose, c'est le même schéma ici, mais au lieu d'être en une dimension, on essaye de voir, de placer les choses dans la courbure de l'espace-temps. Donc ici on a un amas de galaxies. Vous avez une galaxie qui est ce qu'on appelle d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'elle est derrière l'amas, se trouve derrière ce petit objet. Et vous, vous êtes sur la Terre et vous regardez la déviation. Enfin, vous ne regardez pas, vous subissez la déviation des rayons lumineux. Le rayon lumineux, il n'a pas à suivre un chemin unique. Il suit de nombreux chemins. Donc, vous pouvez avoir plusieurs images de la même source. On appelle ça une source. Et vous avez également le fait que la luminosité de l'objet d'arrière-plan peut être accrue. Hein, c'est un effet d'amplification gravitationnelle. Donc, non seulement je ne vois pas mon objet à la même place, non seulement je ne le vois pas en une seule image, mais en plusieurs images, mais en plus, ce que je vois, la luminosité des objets d'arrière-plan, ne correspond pas exactement à la réalité, mais peut avoir plusieurs facteurs d'amplification. L'amplification sera d'autant plus importante que on croisera le chemin lumineux, arrivera proche de la déflexion, de la distorsion de l'espace-temps. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes uniquement observables sur papier. Donc ce n'est pas uniquement le produit d'équations sur papier ou par ordinateur, mais c'est effectivement observé. Donc vous voyez ici l'image d'arrière-plan, vous avez des galaxies, vous voyez plein de... En fait, tout ce que vous voyez ici sont des galaxies. Vous voyez leur grande variété de morphologie. Ici, vous voyez un objet très brillant, c'est en fait une étoile de notre galaxie qui est saturée, mais tout le reste, ce sont des galaxies. Certaines galaxies sont des galaxies de l'amas, et certaines galaxies, comme vous voyez, sont complètement distordues, sont des arcs. C'est-à-dire que la forme, quand vous voyez quelque chose d'arrière, en arrière d'un amas, non seulement vous allez changer sa position, peut-être avoir plusieurs images de la même galaxie, mais aussi vous changez sa morphologie. Et c'est pourquoi on a cette impression de cercle concentrique. Et la distorsion, les arcs sont d'autant plus fins, sont d'autant plus distordus que le rayon lumineux est passé proche de la source massive. Un amas, c'est un ensemble de galaxies, mais en fait, on n'est pas obligé simplement de le distinguer comme des sources ponctuelles ou individuelles. Il y a une masse globale, et c'est cette masse globale qui est prise en compte pour le calcul de la déflexion des rayons lumineux. À partir de maintenant, vous avez tout ce qu'il faut comme bagage pour comprendre ce qui va se passer au voisinage d'un trou noir. Et donc, je crois qu'on peut entrer dans le cœur de la question. Alors, ce diagramme est un diagramme, la prédiction de ce qu'on doit voir pour les trous noirs, leur image, leur compréhension physique, en fait, elle date d'assez longtemps. Et la première image, qui est en fait, n'était pas une image d'ordinateur, ça a été une image, ça a été un dessin fait à la main. Ça a été fait par Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien français, et qui a fait ce diagramme d'explication de ce qui se passe au niveau d'un trou noir, qui, à mon avis, est, malgré un aspect compliqué, en fait, est le plus simple, et j'espère le plus clair pour vous. Alors, on a une représentation ici en espace-temps, c'est-à-dire que les événements sur cet axe vertical, c'est le temps. Et dans cet axe horizontal, mais en surface, disons qu'on a quand même deux dimensions, c'est l'espace. On néglige la troisième dimension. On est en train de regarder ce qui se passe pendant l'effondrement d'une étoile. Une étoile massive, à la fin de sa vie, elle s'effondre et elle devient un trou noir. Le trou noir se trouve ici. Comme je ne suis plus en trois dimensions, mais je suis en deux dimensions, eh bien, la surface de l'étoile, au lieu d'être une sphère comme ça, c'est simplement un cercle que l'on voit ici. Vous avez des temps distincts.
jusqu'au fond, jusqu'à ce qu'on appelle la singularité du trou noir, c'est-à-dire son centre, mais en fait, il faut faire attention, ce n'est pas le centre du trou noir, il n'y a pas un centre du trou noir, ça va être la singularité, le centre de l'espace-temps, mais ce n'est pas très important ici. Donc, à chaque moment, vous avez sur ce dessin E1, E2, E3, E4, ce sont des rayons lumineux qui partent de l'effondrement de l'étoile et qui arrivent à des instants R1, R2, R3 pour un astronome lointain. Ici, c'est toujours c'est le temps. Donc j'ai un temps R1, un temps R2, un temps R3. Quand la lumière est suffisamment loin du trou noir, le cône de lumière est quasiment vertical. On ne sent pas la courbure de l'espace-temps, très peu. Et donc, on arrive à un temps, le R1, pour l'astronome, et en tout cas, il reçoit la lumière de cette surface de l'étoile. De même, à E2, mais vous voyez que déjà E2, cet instant ici, est davantage et plus proche du moment de la création du trou noir. Par conséquent, le cône de lumière est davantage incliné. Et il est encore un plus incliné en E3, puisqu'on est plus proche du moment de l'effondrement. C'est-à-dire que ce cône de lumière, c'est quoi? C'est la direction maximale que le peut suivre la lumière. Si mon cône de lumière arrive à 45 degrés, c'est-à-dire si je prends l'axe principal du cône de lumière et je l'incline à 45 degrés, eh bien en E4, vous voyez que l'axe extérieur de ce cône de lumière est vertical. S'il est vertical, c'est que je ne peux plus atteindre, la lumière n'atteindra jamais l'astronome. Déjà, simplement le fait que les cônes de lumière se basculent peu à peu avec le temps explique pourquoi le temps qu'il faut à chaque fois pour atteindre l'astronome est de plus en plus long. Il devient de plus en plus long. Vous voyez que les espaces s'agrandissent légèrement entre R1, R2, R3, et R4 n'existe pas. Le temps est infini, la lumière n'atteindra jamais l'astronome lointain. Ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est ce dont on parle dans la presse et dans les press releases que vous avez vues certainement pour M87, c'est l'endroit justement où le cône de lumière est tel que la face extérieure du cône est verticale. Donc, aucune lumière n'arrivera à l'astronome. Par conséquent, on peut dire qu'un trou noir, c'est une région de l'espace-temps d'où rien, aucune matière, même pas la lumière, ne peut s'échapper. La matière, pourquoi on dit même pas la lumière? Parce que la matière, elle va à une vitesse qui est inférieure à celle de la lumière. Donc, à la limite, elle est absorbée encore plus vite, puisque la pente va être plus faible. Et la lumière, c'est la dernière chose qui pourrait s'échapper. Mais à un moment donné, étant donné la courbure de l'espace-temps, eh bien, vous ne pouvez plus sortir du cône et vous ne pouvez plus sortir du rayon de Schwarzschild. Aussi, on dit ça pour l'horizon des événements du trou noir. Alors, il y a plusieurs... évidemment, ça, c'est la théorie, mais c'est-à-dire on explique physiquement, grâce à la relativité générale, on explique le fonctionnement des trous noirs. Ce qu'on voudrait savoir dans un deuxième temps, c'est comment voir ces trous noirs. Quels sont les effets sur les images que l'on attend. Alors, depuis cette représentation graphique, sur laquelle, d'ailleurs, je reviendrai, il y a eu des simulations numériques, et en particulier une qui me paraît tout à fait amusante, de Alain Raduello, où il a pris une région du ciel, pour ceux qui sont astronomes amateurs, ce qui n'est pas mon cas, je connais mal le ciel, mais quand même, si on s'informe, ici vous voyez Sirius, Orion, les Pléiades, et il y a une étoile au centre ici, qui s'appelle Epsilon Eridani. Et le film qu'il a formé, en fait, c'est... Vous allez voyager, il a fait plusieurs simulations, mais l'une d'elles, c'est vous voyagez à la vitesse de la lumière, au proche, vous accélérez jusqu'à
0,99 fois la vitesse de la lumière, c'est-à-dire quasiment la vitesse de la lumière, dans la direction de cette étoile. La première chose que vous devez voir, c'est les distorsions des images simplement dues à la vitesse à laquelle vous vous propagez. Et il y a déjà des distorsions qui sont simplement dues à cette vitesse de propagation. Donc la lumière elle-même, qui se propage à la vitesse de la lumière, va être distordue simplement du fait de cette vitesse. Après quoi, il a ajouté la présence d'un trou noir au centre. Et ce trou noir, eh bien, c'est une masse, c'est-à-dire on va ajouter les courbures de l'espace-temps, on va ajouter les étoiles multiples, les déformations des étoiles, etc., simplement parce que vos rayons lumineux ne vont plus en ligne droite, mais vont selon des courbes. Alors, quels sont... Voilà, le ciel, alors c'est un petit peu brillant, vous ne voyez pas le détail, mais donc, la prochaine image que je vous montre, c'est l'addition de ces phénomènes, c'est-à-dire la propagation à la vitesse de la lumière et la présence d'un trou noir. Je vais vous expliquer, détailler chacun de ces phénomènes. Mais donc, ce que vous allez voir, c'est la distorsion de ça et, par un effet extraordinaire, vous allez voir d'autres choses qui sont dans la galaxie. Alors, le premier effet, il y a trois effets déjà à prendre en compte et qui sont dus simplement... au fait qu'on se déplace à une vitesse très grande. Pour imager les choses, vous n'avez qu'à penser que vous êtes dans une voiture et il pleut. Et sur votre, plus vous allez vite, si vous regardez un petit peu, la sensation physique que vous avez, c'est que plus vous allez vite, plus la pluie, même si elle tombe en fait, verticalement, en fait, plus vous allez vite, plus la lumière, je suis distordue par l'astrophysique, plus la pluie, Les gouttes de pluie donnent l'impression de venir dans votre direction. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la lumière. Plus vous allez vite, plus l'espace que vous voyez, l'image que vous voyez au loin, donne l'impression de venir vers vous. Par conséquent, la conséquence de ce fait, c'est que la portion d'univers que vous voyez, la portion du ciel que vous voyez, se restreint, se devient plus étroite. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous aviez une condensation de l'espace dans votre direction, ce qui fait que certaines parties, donc voyez que l'étoile qui était ici, Sirius, vient beaucoup plus proche de vous, hein, on est toujours au centre, oubliez pour l'instant qu'il y a un trou noir là, simplement pensez que vous êtes en direction de cette petite étoile qui est là, Epsilon Eridani, eh bien Sirius s'est rapproché de vous, simplement parce que vous allez, là on va, en fait c'est une accélération dans cette simulation, une accélération qui va évidemment presque à la vitesse de la lumière, ça va de 0 à 0,99 fois, 0,99 fois, oh là, 0,99, oui c'est ça, fois la vitesse de la lumière. Donc il y a un rétrécissement de l'espace que vous verriez sinon, et du coup, vous voyez le disque dans la voûte céleste apparaît, puisque tout se rétrécit, apparaît des choses qu'on ne voyait pas avant, et ça, vous reconnaissez, bien sûr, je l'espère, le disque de notre galaxie qui apparaît dans votre champ de vision. Si vous vous arrêtez, tout devient différent, mais tant que vous voyagez à cette vitesse, vous avez ce qu'on appelle un phénomène d'aberration, c'est-à-dire cette concentration de l'espace. Vous avez un deuxième effet, qui est l'effet Doppler. L'effet Doppler, vous le connaissez, c'est les voitures qui ont... Donc, c'est simplement la fréquence à laquelle vous entendez les voitures passer près de vous, c'est donc l'effet de longueur d'onde ou de fréquence. Et donc, les couleurs des objets, c'est très difficile à rendre sur ces images, mais les couleurs des objets vont changer. Ce qui va être derrière vous va devenir plus rouge, ce qui vient vers vous va devenir plus bleu. Mais également, la luminosité, déjà rien que par effet Doppler, ce qui est plus bleu va être amplifié ou plus lumineux. Donc il y a un effet d'amplification. Là, malheureusement, il y a une faute qui est regrettable. Donc, ces trois effets, aberration, Doppler et amplification, sont, pour une part, un demi de l'amplification, sont simplement dus au fait qu'on se déplace
à une vitesse très proche de la lumière vers un point central. Ensuite, on ajoute à cette image un trou noir central et ce que l'on voit, ce sont les déflexions des rayons lumineux, donc distorsion des sources d'arrière-plan, comme ce qu'on a vu pour les amas de galaxies, et images multiples. Donc une image ici, vous reconnaissez cette étoile, elle est ici. Il y en a, je crois, une troisième. Il y a énormément, si on s'amusait, on verrait énormément d'étoiles, d'images multiples des étoiles initialement vues. Quelques évidences qui ne sont pas si évidentes sur les trous noirs. Quand on parle de la masse d'un trou noir, ce n'est pas réellement la masse de l'objet, comme on pourrait peser une pomme ou d'autres choses, ou quand on se pèse soi-même. C'est un paramètre que l'on appelle masse, parce que quand même, il y a équivalence, mais c'est un paramètre qui caractérise le champ de gravitation externe. C'est le paramètre qui permet de comprendre la courbure de l'espace-temps. Ce n'est pas une vraie masse au sens usuel. Une deuxième chose, c'est qu'un trou noir, ce n'est pas un objet extrêmement dense. Hein. Il est fait de vide à l'intérieur. L'horizon, c'est-à-dire cette frontière verticale où votre cône de lumière est telle que plus rien ne s'échappe, c'est une frontière immatérielle. Alors, on peut d'ailleurs faire quelques calculs. On peut définir une densité moyenne. Qu'est-ce que c'est une densité? C'est vous divisez une masse par un volume. Au centre de notre galaxie, puisqu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie, la densité, elle est de 1 million de kilogrammes par mètre cube. Bien sûr, à notre échelle, ça paraît énorme, mais à l'échelle astrophysique, ce n'est rien. C'est-à-dire, c'est la densité d'une naine blanche, c'est-à-dire, c'est les reliquats d'une étoile de masse intermédiaire. Ce n'est pas grand-chose. Au centre de M87, Messier 87, qui est la galaxie pour laquelle on a vu pour la première fois l'ombre d'un trou noir, cette densité, elle est de 2 kg par mètre cube, c'est-à-dire 1/500e fois la densité de l'eau. Ce qui se passe, c'est que M87 est grand et grande. Hein. Donc, vous avez une masse qui est importante, mais cette masse, elle est dans un volume qui est immense. Par conséquent, la densité n'est pas importante. Je peux ajouter que la masse, bien sûr, cette masse, qu'est-ce que ça veut dire? La masse qui caractérise son champ de gravitation externe, ça veut dire que si je lance une particule autour, particule test, autour du trou noir, eh bien, cette particule, elle va avoir une certaine dynamique, elle va tracer des cercles ou des ellipses, et cette dynamique, cette orbite qui va me permettre de calculer la masse du trou noir. Une dernière remarque, un trou noir, ce n'est pas un aspirateur universel. C'est-à-dire que ce n'est pas. Vous trouvez une distance respectable de ce trou noir et vous ne craignez rien. Vous pourrez être en orbite circulaire. Il y a un endroit d'ailleurs, c'est l'endroit de la dernière orbite circulaire autour du trou noir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est infiniment ou universellement. Dangereux. Le trou noir, donc je disais qu'il y en a un à l'intérieur de notre galaxie. Et malheureusement, on peut dire malheureusement, la dernière expérience qui a été faite où les gens voulaient voir, donc c'était le Event Horizon Telescope qui a cherché à regarder à très petite échelle la présence de trous noirs. Ils ont essayé dans Messier 87 et au centre de notre galaxie, mais ils n'ont pas réussi à le détecter. Pardon, je voudrais relancer ce film.
Voilà. Mais en revanche, comme je vous disais, on peut mesurer la masse du trou noir par dynamique. Ben là, ce qu'on voit, c'est, vous voyez, les années qui défilent ici. Et il y a les gens qui regardent, qui s'interrogent, enfin, qui tracent le mouvement des étoiles. Celle-ci que vous voyez ici. Il y en a une particulièrement intéressante, c'est S02, qui va à quelques fois, à quelques dixièmes fois la vitesse de la lumière. Et cette orbite ici permet aux gens, pour l'instant, elle va voilà, de 2,55% de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on parle en vitesse de la lumière, etc. Ça veut dire qu'elle se déplace à 7650 km par seconde. C'est l'étude de ces orbites permet pour l'instant, on verra encore si les observations permettent d'aller plus précisément, on aura une mesure plus fine de la masse de ces trous noirs, mais pour l'instant, on dit que le trou noir au centre de notre galaxie, qui s'appelle Sagittarius A star, est de 4 millions de masses solaires. Il y a un trou noir dans notre galaxie. Il y a un trou noir dans M87. En fait, il y a des trous noirs, pense-t-on, au centre de toutes les galaxies. Et il y a une relation, masse du trou noir, que l'on utilise en astrophysique, masse du trou noir, vous voyez, 1 million, 10 milliards, en fonction de la vitesse de dispersion à l'intérieur au centre de la galaxie. Qu'est-ce que ça veut dire, la dispersion des vitesses ? Ben, vous avez vu ici que toutes ces étoiles, elles vont, elles viennent, chacune à son orbite, chacune à sa vitesse. Et on mesure la moyenne des vitesses de toutes ces étoiles au centre de la galaxie. Et on mesure la dispersion, c'est-à-dire la variation autour de cette vitesse moyenne de ces étoiles. Et c'est ce qu'on appelle la dispersion. Donc, cette dispersion, elle mesure la manière dont la variation de vitesse des étoiles au centre d'une galaxie. Plus elle est massive, plus vous avez des étoiles qui vont vite autour de la vitesse moyenne. Vous avez 400 km par seconde ici, pour des petits trous noirs, 60 km par seconde là. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une très grande corrélation, un petit peu de dispersion bien sûr, mais ça peut être aussi à cause de la mesure, de l'incertitude sur les mesures qui sont faites, mais vous avez une corrélation entre la vitesse des étoiles et la masse du trou noir. Donc à la limite, maintenant, si je ne sais pas quelle est la masse d'un trou noir dans une certaine galaxie, ben je n'ai qu'à mesurer la vitesse, parce que ça c'est facile, c'est l'élargissement des raies si vous prenez un spectre, je mesure quelle est la dispersion des vitesses au centre de cette galaxie, et je peux faire une hypothèse sur grossière mais suffisante sur la masse du trou noir au centre de la galaxie. Alors, on a vu ce qu'on doit, comment on voit un trou noir quand on se dépêche, qu'on va presque à la vitesse de la lumière vers ce trou noir, et sur un point particulier. Ce qui s'est passé dans les observations qui ont été révélées il y a peu de temps, ce n'est pas exactement ça. C'est nous sommes sur Terre et nous devons regarder quel est ce que nous attendons de la vision d'un trou noir. Le trou noir lui-même, il n'est pas vraiment visible. Il est en fait invisible, mais ce à quoi on a accès, c'est les effets d'illumination, si vous voulez, d'un disque d'accrétion. Autour d'un trou noir, en fait, il y a un disque de matière qui tourne. Et c'est un disque, c'est-à-dire il est plat. Et ici, c'est une image, toujours par Luminet, qui était vraiment au début de ses études. Vous avez un trou noir et vous avez le disque de matière qui tourne là. Il y a un endroit où il ne peut pas y avoir de matière parce que la matière serait absorbée par le trou noir. Les rayons lumineux, ils font autant de tours qu'ils veulent autour du trou noir. Mais disons ici, on prend les choses de façon très schématique. Donc ce diagramme ici, il est divisé en deux. Ici, vous êtes dans l'environnement du trou noir et on regarde ce qui se passe. Et ici, vous avez plaque photo, donc c'est dire si ça date. Maintenant, on dirait CCD. Et ici, c'est ce qu'on voit sur notre plaque photo ou sur notre CCD. Vous avez une image primaire. Donc, tous les effets dont je vous ai parlé sont pris en compte. Aberration, déformation, déflexion, Doppler, etc. Ce qui est fantastique
dans ce qu'on voit ici, c'est que vous avez une image, ce qu'on appelle l'image primaire du trou noir. Donc, vous avez un observateur qui est situé, bien sûr, selon que vous êtes, selon l'angle que vous avez vis-à-vis par rapport au trou noir et surtout au disque, vous allez voir les choses différemment. Là, l'observateur, il est à 10 degrés au-dessus du disque. Alors, s'il est au-dessus du disque, eh bien, on s'attend à voir une image du disque d'accrétion, et c'est ce qui, effectivement, est prédit. Vous avez ce qu'on appelle l'image primaire, qui est l'image, simplement, que l'on attend d'un disque, comme si vous voyez les anneaux autour d'une planète. Ça, c'est pas particulier. Mais alors, ce qui est extraordinaire, là, c'est qu'on voit aussi la partie inférieure du disque. On voit dessous. Et c'est ce qu'on appelle l'image secondaire. Donc ça, c'est le cheminement des rayons lumineux. Et du coup, votre image, eh bien, elle ressemblera à une espèce de champignon. Vous avez l'image primaire du disque, la première. Alors, vous avez cette partie-là du disque. Et évidemment, le disque, il est circulaire. Donc, il y a aussi cette partie-là qui se reflète là. Vous avez l'ombre du trou noir, je vais vous dire encore ce que c'est. Vous avez le dessus du disque, le dessous du disque. Et voilà la première image qu'avait tracée Jean-Pierre Luminet, après avoir fait des calculs très précis que vous pouvez voir dans la littérature, il est sur le web, c'est parti. Et ensuite, il avait dessiné lui-même les parties qui sont plus brillantes, dont je vous ai parlé, ça c'est l'effet Doppler, avec la partie bleue, du spectre qui est bleui. Alors, l'effet Doppler, là, il est dû au fait que la matière dans le disque tourne. Donc, c'est ce mouvement-là qui crée un effet Doppler. Et ce qui vient vers nous va être bleui, et ce qui va être bleui va être plus lumineux encore que ce qui s'éloigne et qui est rougi. Ce sigle-là, c'est simplement la partie, l'orbite, la dernière orbite circulaire autour du trou noir. Ça, c'est l'ombre du trou noir. Et vous avez la seconde image du disque. Depuis, bien sûr, on ne s'est pas contenté avec les ordinateurs, les techniques numériques, on ne s'est plus contenté de faire une image à 10 degrés au-dessus d'un disque d'accrétion. On regarde tous les angles possibles. Et donc, ici, vous voyez la première simulation. D'ailleurs, c'est un collaborateur, Jean Lamarck, c'est aussi un astronome français qui fait de la relativité, qui faisait de la relativité générale et qui s'occupait des trous noirs. Il a prédit, ce sont les premières simulations numériques, il a prédit quelle était l'image du trou noir, non, l'image du trou noir et l'image du disque d'accrétion, ce qu'on devait attendre comme image, selon la position que l'on a relativement à l'astre que l'on est en train de regarder, à la galaxie et son trou noir que l'on est en train de regarder. Alors, ce qu'on appelle l'ombre d'un trou noir, c'est simplement le fait que vous avez le rayon de Schwarzschild, mais, dont je vous ai parlé, donc c'est ce rayon à partir duquel, en dessous duquel, mais tout est absorbé. Si vous l'éclairez, par effet de déflexion gravitationnelle et d'amplification gravitationnelle, vous n'allez pas voir le rayon de Schwarzschild, une sphère comme ça, vous allez voir quelque chose qui est plus grand, qui est quelques facteurs, 2, 3, 5 fois plus grand. Et c'est ça qu'on appelle, c'est donc simplement la surface apparente ou le rayon apparent, la région apparente de rayon de Schwarzschild. Une chose qui est très importante, évidemment, on parle là de toutes petites régions. Et ces régions, elles sont grandes si vous êtes dans la galaxie, mais vous n'êtes pas dans la galaxie. Vous êtes loin de la galaxie, vous regardez des objets qui sont très distants. Pour des distances même intrinsèques qui sont petites, qui sont de l'ordre d'une étoile, par conséquent, il faut avoir des moyens d'observation qui permettent d'atteindre ces petites échelles. Hein, plus c'est distant, plus c'est petit. Et même pour les choses qui sont même à l'échelle de notre galaxie, ce qui est le trou noir qui apparaît le plus grand, il faut quand même des résolutions qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est que la résolution ? En fait, je crois que c'est la terminologie usuelle dans la vie quotidienne, mais voici un exemple. Si vous ne résolvez pas votre objet, ben vous voyez quelque chose de flou. Si vous résolvez
à peu près ce même objet, vous voyez une espèce de cacahuète. Donc, par conséquent, là, vous n'avez qu'un, vous vous dites, tiens, c'est un cercle, c'est un objet unique. Ici, vous avez un doute, parce que vous avez été bien éduqué, donc cacahuète, il y a peut-être deux quelque chose. Et puis, si vous arrivez à résoudre suffisamment, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est une étoile double. Et ce qu'on veut, c'est atteindre la capacité, la résolution suffisante pour pouvoir détecter des objets très petits ou des objets doubles. Cette résolution, elle est fonction de deux choses. En fait, c'est le rapport de la longueur d'onde à laquelle vous observez et le diamètre de votre télescope. Ben, si vous avez un télescope unique qui a un diamètre fini, ben, vous avez une limite. D'ailleurs, pour tous les télescopes, vous avez une limite, mais elle est d'autant plus grande que vous n'utilisez qu'un seul télescope. Donc, le Event Horizon Telescope, qui a permis l'observation de l'ombre du trou noir dans M87, utilise un ensemble de télescopes et une technique que l'on appelle l'interférométrie, qui est simplement la combinaison de signaux qui proviennent de différentes antennes. Alors, je parle d'antennes parce qu'ici, on n'est pas, on peut le faire dans l'optique, mais ici, on observe dans le millimétrique et le radio, les ondes radio. Alors, il y a eu synchronisation, c'est-à-dire, vous voyez, ça, c'est la carte du monde, et vous voyez la position des différents observatoires qui ont été utilisés pour cette observation. Chacun de ces observatoires possède une horloge atomique, c'est-à-dire que quand l'observatoire reçoit un signal, une onde, eh bien c'est exactement à quel moment ce signal est arrivé. Et par conséquent, ensuite, on peut combiner chacun des signaux arrivés au même moment dans tous ces observatoires. Ça va être la technique d'interférométrie, la combinaison de ces signaux. La précision, c'est une fraction de millionième de seconde. Et il y a eu 8 observatoires sur 6 sites différents. Finalement, cet équivalent combiné l'ensemble de ces télescopes revient à avoir un télescope de 100 000 km de diamètre. C'est-à-dire que la résolution est extrêmement forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, si je vous dis c'est 25 milliards de secondes, vos yeux s'accroissent parce que vous êtes sensible à l'arc seconde, mais en fait, ça représente cet équivalent à pouvoir lire de New York un journal qui se trouverait sur la tour près de la tour Eiffel. Donc c'est vraiment une résolution infinie. Infinie. On peut toujours faire mieux, mais c'est déjà extrêmement impressionnant. Ici, je vous montre, alors, qu'est-ce que c'est qu'un radiotélescope ? Je vous présente ici un des interféromètres aussi. Chacune de ces antennes est une antenne qui a servi à l'exposition. Elles sont toutes sur le plateau de Chanantor, qui est au nord du Chili. Et sur les autres observatoires, vous avez aussi d'autres antennes comme ça qui vont... Vous avez vu que le ciel circule, c'est-à-dire que pendant un temps, chacun de ces observatoires, pendant quelques heures, ont suivi M87. Et il va falloir... Mais il n'y a pas un suivi continu, c'est-à-dire que dans ce que les gens ont été obligés de faire, ils ont combiné non seulement les informations de chaque observatoire, mais ils ont aussi dû reconstituer la partie d'information qui manquait parce que tous les observatoires n'ont pas pu observer 24 heures sur 24 pendant un mois. Il y a eu trois jours d'observation en avril. L'autre chose que je vous fais remarquer qui n'apparaît pas sur cette image parce que c'est toujours un ciel de nuit et toujours plus beau, vous voyez toutes ces étoiles, sont les étoiles de notre galaxie, puis vous voyez les nuages de Magellan. Mais un radiotélescope, il observe nuit et jour. Il n'y a pas besoin d'être dans la nuit, alors qu'un télescope optique, bien sûr, on observe, ou même infrarouge, on observe seulement la nuit. Cette galaxie M87, elle s'appelle M87 parce qu'elle a été découverte par Charles Messier. Et donc, M, c'est pour Messier. 87 parce que c'était... la 87e galaxie qu'il avait découverte dans le ciel. Elle se trouve dans un amas de galaxies dont nous avons parlé, donc un ensemble d'une centaine, milliers de galaxies. C'est l'amas de la Vierge, c'est l'amas de galaxies qui est le plus proche de nous. Donc on le voit dans un très grand détail, on connaît énormément de choses sur cet amas. Dans cet amas, ce que vous voyez,
mal, mais je vais vous le décrire. Dans les amas de galaxies, il y a vraiment toute une quantité de galaxies de toutes sortes. Certaines sont, n'ont que des étoiles vieilles, d'autres sont très massives, d'autres forment encore des étoiles, elles sont bleues. Certaines sont spirales, vous voyez le disque, on les voit par la tranche, comme notre Milky Way. Certaines sont elliptiques au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'elles peuvent être quasiment sphériques ou légèrement aplaties. Et M87, en fait, est l'une, est au centre de l'amas, et c'est une galaxie elliptique. C'est une radio-galaxie, parce que grâce à son trou noir, elle émet dans les ondes radio. Mais c'est surtout donc une galaxie elliptique qui ne forme plus d'étoiles, mais qui a néanmoins ce qu'on appelle une activité non thermique, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui est due à la formation des étoiles. Elle se trouve ici, elle se trouve au centre de l'amas. Elle a un autre nom, NGC 4486, parce qu'il y a toutes sortes de catalogues en astrophysique. Et on va maintenant zoomer, pour vous donner le sentiment de ce qui a été achevé, on va zoomer sur le ciel. Donc ici, vous voyez le ciel étoilé, tel que sans zoom, c'est-à-dire que vous ne voyez même plus les étoiles, vous voyez même distinguer mal Virgo lui-même. Et puis, voilà ce que un radiotélescope seul avait vu, c'est-à-dire qu'au centre, vous voyez, vous distinguez déjà mieux M87, et surtout, vous voyez de mieux en mieux les éjections, comme le trou noir et le disque d'accrétion, la rotation, le champ magnétique, fait qu'il y a énormément d'éjecta de matière. Cette matière, elle émet à différentes longueurs d'onde, et en particulier, ces éjecta que vous voyez encore mieux ici se voient en ondes radio. Au centre, vous apercevez l'image optique, c'est-à-dire que l'œil visible, les longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible, vous voyez cette galaxie ici, c'est M87, on s'approche encore davantage, et là vous voyez, vous commencez à avoir toutes sortes de filaments, et en particulier un jet, qui est un jet collimaté, qui est dû à l'activité du trou noir et à la présence de son disque d'accrétion et du champ magnétique, il y a un énorme jet de matière tout à fait collimaté par le champ magnétique. On s'approche encore davantage, mais on n'est toujours pas au niveau du trou noir. On commence à être au centre de cette éjection. Vous voyez que cette éjection n'est pas linéaire, elle s'est faite de paquets de matière. Et voilà finalement l'image du trou noir, l'image de l'ombre du trou noir, c'est-à-dire l'image apparente de l'horizon du trou noir. Cette observation, elle a été faite à une longueur d'onde de 1,3 mm parce que, ça c'est pas une question de résolution, mais c'est simplement, vous avez vu toute l'activité qu'il y a à l'intérieur de cette galaxie, une activité non thermique, donc il y a énormément de poussière, il faut une longueur d'onde qui permet de traverser toute cette absorption. La poussière absorbe la lumière, donc on ne verrait rien. Il faut trouver une longueur d'onde, et donc 1,3 mm permet d'accéder au centre de la galaxie sans être gêné par des absorptions qui seraient trop fortes. La mesure de cette structure, et en particulier de l'ombre, a permis de mesurer la masse du trou noir. Donc ça, c'est le rayon qui est le rayon de l'horizon apparent. Et ça permet de dire, donc vous pouvez calculer ensuite une masse, et donc c'est une masse qui est de 6 milliards de masses solaires. J'aurais peut-être dû dire en introduction qu'en astrophysique, on mesure tout en unité solaire. C'est notre base. Donc tout se rapporte au Soleil. Pour finir, pour essayer de me remettre dans le cadre de cette série de conférences dédiées à l'exploration de la Lune, je me sens un petit peu à côté, mais quand même vous montrer une image de la Lune et que vous compariez, ça c'est l'image de la Lune qui fait 1000 arcs-secondes, ça c'est l'image de M87, mais simplement les éjecta qui sont vus en radio. Et cette unité ici, c'est 10 fois plus petit. Donc, cette taille-là, c'est la taille
de l'entièreté des éjectats, et vous aviez vu que la galaxie elle-même, elle est vraiment au centre. Et non seulement on va au centre pour voir la galaxie, mais on était encore davantage au centre pour voir son trou noir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Et pour chaque question posée, vous pouvez gagner un autocollant Space Ranger Service. Voilà. Bonjour. J'ai juste une question. C'est quoi qui définit la dernière orbite autour du trou noir? Parce qu'il y avait quelqu'un qui... c'est la masse. C'est-à-dire, c'est un mouvement de Kepler. Donc vous calculez quelle est... comment vous vous déplacez par rapport à cette masse. C'est quoi qui définit la dernière orbite? Parce que sur Terre, par exemple, c'est pour un peu sphérique qui va définir ma dernière orbite. C'est quoi qui définit cette dernière orbite la plus proche du trou noir? C'est quoi la limite qui empêche de faire des orbites plus petites? Je ne sais pas comment va répondre à votre question. Si vous calculez la dynamique de cette... de la particule qui est soumise à cette attraction, vous allez trouver quel est le rayon, vous pouvez trouver le rayon auquel cette orbite correspond. Je ne peux pas vous dire plus, je ne sais pas comment vous expliquer davantage. Bonjour. Je n'ai pas suivi la séance du début, du coup, peut-être que vous avez déjà répondu, mais les trous noirs, je voulais savoir si c'était des systèmes qui étaient toujours présents depuis le Big Bang, etc., ou c'était des systèmes qui sont nés après, qui sont créés, qui ont une évolution. Est-ce que, si on peut prédire, qu'est-ce qu'ils vont être après? Alors non, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de l'évolution de la présence des trous noirs. Donc ça, votre question arrive à point. En fait, on cherche justement quel est le moment d'apparition des trous noirs. Alors on ne le formule pas exactement comme ça. On formule on formule ça sous la forme les noyaux actifs de galaxies. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire la présence du disque d'accrétion qui est autour des trous noirs. Et la question, c'est à quel moment est-ce qu'on les voit? On se demande, ils sont créés après le Big Bang, il faut que toute la matière puisse se condenser. Donc c'est après, mais à quel moment exactement? À quel redshift, là on parle en redshift, on sait qu'il y en a les trous noirs, les quasars, si vous voulez, qui sont ces objets quasars, parce que c'est quasi-stars, ils sont extrêmement lumineux, qui sont lumineux par l'activité du trou noir, sont les objets les plus distants, c'est-à-dire ceux que l'on voit le plus proche après le Big Bang. Mais quand exactement sont les premiers, ça, on atteint les limites observationnelles pour l'instant, donc on ne peut pas vous dire. Je peux vous dire que oui, il y en a qui sont à redshift 8, donc c'est un million d'années après, à peu près, après le Big Bang, mais peut-être qu'on en découvrira qui sont encore, qui sont plus proches. Et ça, il y a le nouveau Space Telescope qui va être, James Webb Space Telescope qui va être lancé, qui devrait apporter des réponse à cette question. Vous avez aussi SKA, le Square Millimeter Array, etc., qui devrait répondre à ce genre d'interrogation. Par rapport au Vega télescope qui a été fait, différents télescopes. Donc il y a des stations en fait en Arctique, en Antarctique, oui. Où il n'y a rien, mais il y a un télescope. Oui. D'accord, ok. Si on voulait encore. Et ça correspond à quoi comme diamètre par rapport à la Terre? C'est un tiers de Terre ou... Dites la taille du potentiel télescope, c'était un télescope optique? C'était 100 000 km. C'est quoi 100 000 km? Ça correspond à quoi? Un tiers du rayon de la Terre. D'accord, c'est comme si on avait fait un télescope optique d'un tiers du. Optique ou pas optique? Ouais. Un télescope. Oui, un télescope. Oui. Après, dans les projets, plus tard, ça pourrait être de synchroniser avec des télescopes sur des satellites ou, je ne sais pas, sur la Lune. Je crois qu'ils veulent déjà augmenter même le nombre de stations.
Parce qu'ils n'ont pas utilisé tous les télescopes possibles pour l'instant, toutes les antennes à ce jour. Il y en avait encore qui étaient disponibles. Donc je crois qu'ils veulent déjà monter à plus de 10, 12. Et peut-être, oui, combiner avec des télescopes... à ces longueurs d'onde, c'est pas possible. Donc ça restera, pour l'instant, ça restera sur Terre. Mais je ne suis pas la mieux placée pour vous dire quels sont les plans sur... De ce point de vue-là. Mais je pense que déjà, simplement augmenter le nombre d'antennes existantes qui feraient partie du programme, c'est déjà un but. Pour voir ce trou noir, il fallait justement qu'il y ait un disque d'accrétion. Oui. Et la question que je me posais, dans quelles circonstances ce disque se forme et dans quelles conditions justement ce disque peut se former? Il est simplement dû à l'accrétion de matière par le trou noir. Donc il y a. On dit des noyaux actifs ou des noyaux des trous noirs qui sont plus ou moins actifs avec des accrétions de matière qui sont plus ou moins actives. Mais dès que vous avez rotation, dès que vous avez accrétion de matière, vous avez un disque. Donc simplement par aplatissement de. Donc, c'est le principe de formation de ces disques d'accrétion. Oui, toujours sur le même thème. Est-ce qu'un trou noir a toujours un disque d'accrétion? Je le crois. Et si le disque d'accrétion n'est pas visible, il existe d'autres techniques pour détecter le trou noir? Non, le disque d'accrétion, il est toujours visible, mais ça dépend ce que vous appelez par visible. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément visible dans l'optique, mais il trahit sa présence par des ondes radio, par des rayons X, etc. Donc ça, on les voit. D'accord. Il peut y avoir des questions d'orientation où, du coup, vous n'êtes pas sensible à la présence du disque d'accrétion. Ça, oui. Mais si les conditions sont favorables, vous le voyez. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un trou noir est vide si on ne peut pas voir à l'intérieur? Parce que c'est pas une quantité physique, c'est une présence dans de l'espace-temps. C'est pas quelque chose qui absorbe, qui se nourrit, n'est-ce pas? C'est conceptuel. Cette frontière. Tout à l'heure, vous parliez de l'effet d'accentuation lumière des galaxies qui sont derrière d'autres galaxies, oui. D'amas de galaxies. Mais elles ne devraient pas être moins lumineuses à cause de l'effet du décalage vers le rouge? Oui, mais en fait, l'effet d'amplification gravitationnelle est bien plus supérieur à ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet effet d'amplification, si vous regardez l'univers distant, en l'absence d'une source massive sur la ligne de visée, bah oui, les objets distants sont plus faibles. Mais là, justement, c'est comme ça d'ailleurs que les gens essayent de voir des premières galaxies. Ils utilisent l'effet d'amplification gravitationnelle pour essayer de voir des objets qui, sinon, directement, ne seraient pas observables. Ils seraient trop faibles. Je vais juste conclure avec une dernière petite question. Moi, j'ai grandi avec le cinéma, donc avec le trou noir de Disney déjà dans les années 70. Et puis là, récemment, avec Interstellar, donc on a vu des images de trou noir. Est-ce que ces images de trou noir, finalement, sont réalistes par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Ou c'est encore de l'imaginaire hollywoodien? Alors, comme vous m'avez interdit de faire une conférence de 3 heures, je n'ai pas montré justement la comparaison entre les images des films de science-fiction et la réalité. Alors, il y a des trous noirs qui sont complètement surréalistes, qui ne correspondent pas à la vérité physique, mais je crois, vous trouvez sur le web très facilement, il y a beaucoup de conférences qui ont été faites là-dessus, mais si je me souviens bien, Interstellar n'est pas mauvais, parce qu'ils avaient discuté justement avec des astrophysiciens spécialistes des trous noirs. Il manque juste un petit effet, mais je ne me souviens pas lequel. Mais c'est le plus. Mais sinon, en général, il y a toujours la matière. Je sais qu'il y a des images dans lesquelles on voit de la matière qui sort, etc. Donc ça, c'est pas possible. Mais voilà, il y en a qui sont réalistes. Je crois que Interstellar est assez réaliste, dans mes souvenirs. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Jarmusia. Merci à vous. Je vais donc passer maintenant la parole à Kevin, qui vous a préparé un petit quiz.
Merci, je vous demande d'applaudir encore une fois, madame. Alors, est-ce que chacun a une petite feuille pour pouvoir compléter les réponses ou pas? Non. Je pense que c'est bon. Bah, du coup, on va commencer avec ce petit quiz. Et comme vous pouvez le voir, la première question, c'est quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Et attention, dans chacune des questions, il y a peut-être des intrus, des petits tricks comme ça, donc commencez à répondre. Et aussi, si vous avez plus de 8 questions sur 10 de juste, vous pouvez gagner des cadeaux de l'association. Donc voilà. Donc première question. Deuxième question. Quelles sont les planètes de notre système solaire qui n'ont pas de lune en fait? Essayez d'y réfléchir. Je vous laisse le temps d'y réfléchir quand même. Je pense que c'est bon. Prochaine question. Vrai ou faux? Plus la planète est petite, plus son espérance de vie est courte. Une autre question qui est plus du type astrophysicien. Quel type d'étoile est notre Soleil? Est-ce que c'est une naine jaune, une géante rouge, une naine blanche, une naine rouge? Essayez de réfléchir. Et maintenant, une question. Il y a une planète qui est assez particulière dans notre système solaire, c'est qu'elle a un sens de rotation qui est opposé à celui de la Terre. Et laquelle c'est? Et maintenant, une autre question un peu plus pour les astronomes parmi vous. Quel amas d'étoiles est connu sous le nom des sept sœurs? C'est un amas d'étoiles qui est assez connu dans notre constellation, qu'on l'observe assez facilement. Une autre question un peu plus pour les astronomes. Dans quelle constellation se situe la nébuleuse Tête de Cheval? On va voir si vous avez bien suivi la conférence. Qu'est-ce qu'on trouve au centre de notre voie lactée? Celle-là, elle devrait être relativement facile en vrai. Et comment appelle-t-on le lieu où les étoiles naissent? Est-ce que c'est un trou noir? Est-ce que ce sont des nébuleuses, des supernovas ou bien une galaxie? Dernière question, quel est le plus petit type d'étoile qu'on peut trouver dans notre système, dans tout l'univers? Est-ce que c'est une naine brune, une étoile à neutrons, une naine blanche, une naine rouge hein, d'ailleurs? Je ne sais pas. Taille. Bah, du coup, je pense que là, les 10 questions sont passées. Je vais vous demander de partager vos feuilles avec votre voisin pour qu'il puisse corriger pour vous. Allez-y. Alors pour la première question, c'est bien Proxima du Centaure. Parce que comme vous le savez, l'étoile du berger, bah, c'est pas une étoile, c'est une planète. Et Alpha du Centaure, c'est pas une étoile non plus. Voilà, donc ça c'est pour la première question.
les deux planètes qui n'ont pas de lune dans notre système solaire, ce sont Mercure et Vénus, les deux planètes les plus proches de notre Soleil. Voilà. Plus la planète est plus petite, plus son espérance de vie est courte. Ça, c'est faux, bien évidemment. Et cela s'applique aussi pour les étoiles. Comme vous le savez, les géantes ont plus tendance à mourir vite. Et pour le Soleil, bah, c'est une naine jaune. Voilà. Et c'est bien Vénus qui a un sens de rotation opposé à celui de la Terre. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, bah, c'est bien Vénus en fait. C'était un petit indice pour que vous trouviez la réponse. Et l'amas d'étoiles qui est sous le nom des sept sœurs, c'est bien les Pléiades. Comme on peut les observer à l'œil nu, même un soir qui est bien dégagé. Et la nébuleuse tête de cheval se situe bien dans la constellation d'Orion. Je vais corriger. Et bien évidemment, au centre de la Voie lactée, vous avez un trou noir, hein, et pas une supernova ou une étoile. Une question plus difficile, le lieu où les étoiles naissent, ce sont des nébuleuses, ce sont les grands nuages qu'on peut trouver dans certaines photos. Alors qu'une galaxie, bah, c'est un amas d'étoiles, une supernova, c'est la mort d'une étoile. Et un trou noir, bah, comme vous l'expliquait Madame Jablonka, c'est autre chose. Et finalement, le plus petit type d'étoile, ce sont les naines rouges. Voilà. Qui a plus de 8 questions justes? Personne. Une personne. Et qui a plus de 7? 2 et 6. Oula. Qui a plus de 5? Bon, bah ceux qui ont plus de 5 peuvent venir prendre un cadeau. Voilà. Merci beaucoup Kevin, et puis merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière conférence avec le professeur Georges Mélan, et je vous souhaite une bonne journée.